Le concept de la vidéo est simple. J'ai préparé 3 portes avec 3 épreuves différentes et Invisible Man devra en choisir une des 3 pour débuter ses épreuves. C'est une vidéo horreur donc il risque d'y avoir certains screamers. Alors abonnez-vous pour apparaître dans la prochaine vidéo et pour ne plus avoir peur et c'est parti. Du coup Invisible Man, tu peux choisir une des 3 portes et elles t'emmèneront dans un monde plutôt spécial. Donc j'ai le choix alors? Oui, le choix entre les 3 portes. Bon bah écoute, on va commencer par celle de gauche comme ça, bah c'est dans l'ordre de lecture, ça veut rien dire. Attends, je pète vite fait. Ah, je sais pas si ça s'est entendu, mais dans mon micro, je pense que ouais. Bon, on y va. Désolé pour ça, Kouakougué, voilà. Te voilà arrivé dans la première map. Une map plutôt sympathique. Ouais, c'est une église, une chapelle, je sais pas trop. Exactement, t'as déjà un premier PNJ. Ouais, Albert, il veut que... Hop, hop, hop. Il a choisi la première porte. Dans cette map, il rencontrera Albert, un jeune villageois qui a essayé de faire comme Invisible Man, mais qui malheureusement a échoué. Vous comprendrez plus tard. Albert lui donnera des missions qu'il devra effectuer pour essayer de s'échapper d'ici et faire partir les forces du mal. Ah, un peu de lecture. Salut Invisible Man, je me suis aventuré dans cet endroit avec mon ami Casper. Casper, le fantôme? Ok. Nous nous sommes retrouvés totalement coincés de ce monde rempli de monstres et d'énigmes. Et malheureusement, sur une épreuve près de la cascade, j'ai été emporté par le courant et séparé de Casper. J'aimerais que tu me le ramènes au plus vite, s'il te plaît. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ok. Donc, je dois retrouver Casper qui s'est fait emporter par une cascade. Mais c'est un fantôme. Comment c'est possible? Oh! C'est des auras à suivre, ça. Oui, exactement. Ça s'annonce pour l'instant simple. Et pour... Hey, c'est beau! Ça se voit que c'est pas toi qui l'a fait. Ah, si. Casper! Mais elle est où cette cascade là? Peut-être que tu t'en rapproches. Je sais pas, faut peut-être suivre les petits auras. Ah, c'est ça, c'est la petite rivière. Donc il s'est fait emporter logiquement. Faut suivre le courant, donc aller vers le bas. Hein. Si je ne m'amuse. Alors il s'est peut-être pas fait emporter par le courant. Enfin, c'était pas précisé. Si, c'était clairement dit. Tu veux que j'aille rechercher le livre maintenant, non, tout de suite non, là? Non. Alors peut-être qu'il est allé dans le trou du fion de la cascade. Ah, peut-être. Peut-être que. Ah, c'est clairement là. Allons-y. Et première épreuve. Un jump. C'est original. Oui. Ouais, ça va, il est simple. Je l'ai simplifié pour toi puisque je savais que. Bon. Attends, est-ce que c'est. Ouais, c'est simple. Bon, c'est dans le thème du Nether, ça fait peur. Hein. Ouh, tu m'avais promis une map horreur là. Ah oui, ah ben là, attention. Là, c'est. Oh, j'ai failli glisser comme à mon habitude. Ah oui, c'est vrai, mais tu glisses toi. Ah. Tu sais, il y a des échelles. Oui. Hein. Le premier jump en vrai, il est plutôt simple. Mais what? Oh là 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 là, mais comment on peut être aussi nul? Attends, j'y arrive. Comment je fais ça? Voilà, on va t'aider un petit peu, mais c'est le seul moment où on va t'aider. Merci. Bon, il faut retrouver Casper, mais visiblement, qui s'est enfui dans une grotte de lave, ça n'a aucun sens. Mais parce qu'ils voulaient sortir d'ici, ils étaient comme toi. Ils étaient des chercheurs comme toi. Ils sont rentrés dans le portail et ils ont pas pu en sortir. Ah, mais il y a un bête de lore en fait. Excuse-moi, j'ai trop sous-estimé le bail. Ah. Concentre-toi, c'est plutôt simple. Allez, Casper, a confiance en moi. Je vais y. Bon, je vais arrêter de chanter parce que ça va être copyright vu que je chante trop bien. D'ailleurs, en parlant de musique, les gars, je ne dirai rien. Mais... Pourquoi? Dis-moi pourquoi? J'étais dessus là! Bon, vas-y, tu sais quoi? Allez, hop, comme ça on avance un peu plus vite. Merci! Bah, fallait pas me dire d'être lent aussi pendant la vidéo, hein. C'est toi qui m'as dit d'être nul, donc je me suis juste adapté. Pas nul au jump. Et oh! Casper! Mais c'est pas un fantôme, ça! PNJ? Ouais, oui, c'est son copain PNJ. Dis-moi, t'es un porte-armure. Ouais, bah. C'est pas Casper. C'est sa tête, c'est sa tête. Sa tête a été coupée. What? Et posée sur un porte-armure, mais qui a fait ça? Alors, t'es pas censé être comme ça. Ah, désolé. Bon, je comprends mal. Je vais prendre ça. Et du coup, prends sa tête aussi. Ah ok, pourquoi c'est pour une preuve? Bah attends, faut que tu lui ramènes Casper. Son sahab. Waouh. Ok, bon, je vais traumatiser un PNJ là. Vas-y, c'est pas grave. Je vais équiper les bots, je sais pas pourquoi. Peut-être que tu vas trouver du petit stuff par-ci par-là. Ok, si j'ai besoin de mon stuff, ça veut dire que je vais affronter quelqu'un là. Je sais pas. Je vais suivre les flammes. Peut-être que bah ça m'amène à la sortie. Oh merci les flammes. Sans vous, je n'aurais pas vu la porte. Ok, je vais ramener Casper à comment il s'appelait? Bastien? Pas du tout. Il s'appelait Albert. Genre, il s'appelle Gilbert. Faudra que tu lui jettes sa tête dessus. Wesh, mais c'est horrible, je dois lui balancer la tête de son pote dessus. Eh oui. Allez, dans ton gros nez, gros crâne, va. Ah, alors, il faut peut-être lui balancer un petit peu plus à ses pieds. Tiens, Casper est mort. Je suis désolé. Et ça a ouvert. Ça a ouvert et ça aurait dû changer la couleur de la flamme pour dire que le livre a été mis à jour. Oh, le livre a été mis à jour. Oh non. Non, Casper, je ne pourrai pas continuer sans mon ami. Je t'ouvre la porte de l'église, mais je n'ai plus rien à faire ici. Bonne chance pour la suite. Oh non, mais il est traumatisé, le pauvre miskin. Eh oui. Oh, je suis désolé. Tiens, un steak, frérot. Alors, j'arrive dans l'église. Et là, c'est quoi ma mission? J'en ai aucune idée, en fait. Bah oui, peut-être que tu vas arriver à une image. Paint. Oui. Ok, waouh. Alors, ah, mais il y a un autre livre, ok. Ok, je fais la voix, ok, t'es prêt? Vas-y. Un jeune homme qui souhaite s'aventurer dans cette périple. Je vais refaire normal.
Dans cette périple épreuve, à gauche de ce pupitre se trouve le bras que j'ai arraché auprès de l'ancien chevalier qui a osé s'aventurer ici il y a fort longtemps. Il faut que tu insères différents objets dans ce bras afin de me rencontrer et nous voir nous vaincre. Moi, toutes les sont à gauche. Très bien. Et au fait, si tu arrives à me vaincre, tous ceux qui regardent la vidéo doivent ça. Et mettre un gentil commentaire, suivi d'un like. Ah ben voilà, bien trouvé ça. Quel dommage. Alors j'étais tellement plongé dans mon rôle et ma lecture que j'ai oublié ce que je devais faire. Alors je crois que je dois ramener des ressources et les mettre dans le bras. Exactement, faut que tu trouves les ressources. Alors premièrement il faut un os, puis un diams, puis un soul sand. Ou alors c'est un os me mènera au diamant qui me mêlera à la... Alan. Oui, allez. Oh, un casque qui me permettra de tanker plus. Intéressant. Et donc là, faudrait que tu cherches dans la map des endroits où il y a potentiellement des petites épreuves. Je vais commencer par l'église pour vraiment rien louper. Eh bien, c'est pas dans l'église, mais voilà. Ah. Bon, alors, allons voir ailleurs si Casper y est. Peut-être qu'il y a des petits chemins au sol pour indiquer les endroits, voilà. Ah, il y a une grotte ici, c'est pas pour rien. Intéressant. Tu commences par la peut-être la plus longue. Mais ça va. La plus longue fait toujours très mal. C'est dans les périples les plus longs qu'on se souvient de nos amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du stuff, ok. Là, je vais vraiment devoir me taper, là. Une pioche et des sticks. Quoi faire, en fait? T'avais peut-être un pupitre à lire. Ah ouais. Ah bon. Mine les trois rochers noirs pour pouvoir te craft une pioche en pierre et continuer. Ok, easy. Ça, c'est de mon niveau. Il y en a une ici. Voilà, donc t'as plusieurs niveaux dans cette grotte et chaque niveau a des minerais. Je vais juste avancer sans me poser de questions. Il y en a un deuxième ici. Oh. Ah ouais, c'est ça que tu m'as vanté quand tu m'as parlé d'une map horaire. Ah bah oui. Ah ouais. T'as eu peur là. Ah ouais mec, là je vais mal dormir hein. Ah je m'en remets pas là hein. Je m'y attendais tellement pas que ça m'a blasé de la vie frère. Ok, le dernier là, c'est pas à quoi m'attendre hein. Eh ben non, y'a rien derrière. Ah, j'ai plus eu peur que quand il y avait eu un truc. Alors là je vais au deuxième ou je reviens. Oui, au deuxième. Je trouve les minerais de fer pour le faire cuire et te faire une pioche en fer. Alors ok. Donc déjà je vais faire la pioche en pierre et c'est la même étape mais avec du fer. Je pense que... Ah bah c'est pour casser le diamant le fer. Donc j'aurai le diamant pour le mettre dans le bras. Alors, non, c'est pas fait dans cet ordre mais voilà. Ok, t'es plus malin que la map. Et oh, t'as déjà un minerai de fer juste ici. Ok, attention. Oh j'ai... À chaque fois maintenant j'ai un petit frisson là. Je me dis est-ce qu'il va y avoir un visage. Alors on continue, apparemment ils sont pas cachés donc... Ça devrait pas être trop dur. Ah, c'est peut-être le troisième niveau là. Ouais, là tu descends au prochain niveau. Il n'y en a pas là. Ah, ah. Là. Et ah, oh. C'est pas là. Dommage. Là par contre, je suis hypé pour le troisième là. Mec, parce que jamais 203. Mais où est-ce qu'il est? Il faut le trouver. Ah, je l'ai trouvé. Tout seul. Attention les mecs, attention. Est-ce qu'il y a un truc derrière? Ah. Putain. Mec. Waouh, mec. Oh la peur. C'est faux hein, je... T'as pas eu peur? Vraiment pas. C'est dommage. Allez, on part au troisième niveau. Oh là, plus on s'enfonce, plus c'est profond, plus ça fait mal. Ah oui, c'est ce que ma maman dit toujours. Mine tout l'or pour te craft une hache en or. Ok, mais dans quel but en fait? Peut-être pour trouver le dernier minerai. Mais qu'est-ce qui se casse avec de l'or et pas avec du fer? Je comprends pas. Hop là, c'est parti, j'ai la pioche. Et maintenant, à la recherche de l'or. Alors, il y en a pas loin de toi. D'accord, bah je pense que je l'ai loupé du coup. Oui. C'est pas grave, on va rebrousser chemin. Dans la vie, il faut pas hésiter à faire retour en arrière si on pense qu'on s'est raté. Et... Yes, oh, let's go. Voilà, ma morale a marché. Alors, où sont les prochains? Là, tu remontes par là. Doit être à droite. Faut jamais aller à gauche, ça porte malheur. Ah, j'ai le deuxième, let's go. Attention, le deuxième. Oula, là j'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Là, je sais pas pourquoi. Et c'est le même. Oh non. Le même en plus, mec. Il hante mes cauchemars là. Est-ce que j'ai tout pris? Non, il m'en manque un, je pense. Il est là. Peut-être qu'il faut lever la tête, je sais pas, mais moi je le vois. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un monstre. Il est là. Oui. C'est bon, je l'ai vu, je vais l'avoir les gars. Ça va pour le moment, petite map, horreur mais pas trop. Ah non, franchement là, j'espère qu'il n'y a pas d'autres screamers parce que là j'ai eu ma dose. Là franchement, je ne vais pas dormir. Drop les trois lingots de netherite. Netherite? Ouais, faut que tu trouves de la netherite, mais il faut lire le truc en fait. Trouve les coffres contenant la netherite afin de te faire une pioche en netherite. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Dans quel but en fait? Peut-être pour trouver quelque chose qu'il y avait sur le dessin. Attends, laisse-moi me souvenir. Il y avait un diamant, de la soul sand et pour finir...
Bah je sais plus. De l'os. Bah y a rien qui sert à ça, genre pourquoi? Bah si, là t'es dans quel thème? Dans granit. Mais non, thème du minage. Eh oui. Mineur Norman. Ah, ok, on doit violer, ouais. Ok. Et maintenant, là il y a un coffre. Est-ce que c'est dans mon autorisation de péter ça? Oui. Ah, je comprends mieux la hache maintenant. Ok, ça a plus de sens. Donc là, j'ai un Ezuri et il m'en manque deux. Et ça descend encore. Oh là là là, j'ai l'impression d'être dans Made in Abyss. Ouais, t'en as... Non, j'ai rien à dire, mais stylé. Il est par là, je pense. C'est très stylé par ici. Ouais, ouais, c'est très stylé. Bah ouais, c'est stylé. Hein. Par là, c'est stylé, c'était sûr. Hop là. Wow! Oh l'attaque! Oh l'attaque cardiaque! Il fait peur celui-là. Ah mec, j'ai même pas envie de le re-regarder. Il m'étonne. N'empêche, il avait un petit charme. Il était beau. Et mon dernier lingot de Nezuri. Il y a forcément quelque chose par là. Il y a pas une section ici pour rien. Voilà. Dans ton cerveau, clairement. Hop là! Du coup, t'as les trois lingots de Nezuri. Et maintenant, faut que t'ailles les déposer dans l'entonnoir. Allez, 1, 2 et 3. Quel! Eh, t'as fait des efforts sur les systèmes. Bien joué. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entrée par une grotte. Ça va être forcément par l'ascenseur. Allez. Wesh. Mais que elle! Alors, en fait. Fais gaffe. What? Mais attends, c'est un mutant là maintenant. What the fuck? Mais elle est plus grosse. Non, elle a grossi ou c'est moi? C'est une chauve-souris. Elle a mangé mon sang. Non, mon inventaire. Mon inventaire. Non. J'ai plus d'inventaire. Pas grave, le principal il a pas cramé. Bah je veux bien la pioche quoi. Ah ouais. Ça fait partie du jeu. Trouve le minerai. Mais attends, de plus en plus quand j'avance dans les livres, il y a de moins en moins de texte. Trouve le minerai de diamant. Tu dois trouver le minerai de diamant. Ok. Le dernier. Ok. Ok. J'avais la pioche en fer dès le départ. Mmh. J'aurais pu juste tomber dans l'ascenseur. Ah, moi je sais où qu'il il est, est là. Profond. Ouais, bah moi aussi. Ici tu peux trouver un arc qui pour sur une brette ne servir. Désolé. Bon, sinon le minerai de diamant, t'es déjà passé devant. Mais c'est qu'il est bien caché là, c'est plus dit. Oh, oh, il est là. Il est là. Il ah, est j'ai là. Mis un gros turn. Alors là, ok. Et... Oh ah 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 non, Johan, t'es fait mort. Non. Il t'a un peur, bâtard, wesh. Il t'a... Non, c'est une blague, évidemment. Non, c'était le plus agréable à voir, en vrai. Est-ce que tu veux peut-être essayer de choper l'arc? Ouais, bien sûr, je vais essayer. Bah, de toute façon, je suis à poil, donc j'ai plus qu'à me reposer sur ça. J'ai même plus d'armure, donc si je dois affronter un truc à la fin... Oh. Bon, là, l'arc, en vrai, à trouver, il est pas compliqué. Ah. Ouais, voilà. Ouais, tout un étage pour rien. Voilà, voilà. Bon, j'ai l'arc, j'ai le diamant, donc j'ai fait que un tiers. Ouah, je suis très lent, là, faut que j'accélère. What the... Et en plus, faut que tu trouves l'os avant, pour pouvoir le mettre dans la main. Sinon, tu peux pas mettre le diamant. Ok. Ok, ok, bon, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Malheur à moi. L'os, où est-ce que tu peux le trouver? Bah, si je suis logique, je peux descendre tout en bas là où est-ce que j'étais, je casse un bloc d'os et je me le craft. Mais je vais éviter quand c'est même vrai. Mais où est-ce que tu peux trouver la Soul Sand? Le sable des âmes. Les âmes, dans où est-ce qu'il y a des âmes? Un cimetière? Oui. Un cimetière, mais j'en ai pas croisé. Et ah bah si. Ok, donc, bah attends, mais du coup, c'est la Soul Sand ou c'est l'os que je viens chercher ici? La Soul Sand. L'os, par élimination, bah j'en sais rien en fait. Enfin, peut-être que tu trouves un truc dans le cimetière, je sais pas. Tu vois, y a des petits sur les tombes. Ouais. Kélian, Shadow Bass, Multicore, plus aucun concurrent, on est sauvé. Attends, y'a qui derrière? Fuse, Nettolia. Oh waouh, alors qui connaît? Ah oui, là, là si des gens connaissent. Franchement, c'est des rêves très sombres. Natop, Amercube, mais qui cache une Soul Sand là? Xem, Aspaz et Just Atrocious. Peut-être que Just Atrocious il. Ouais. Just Atrocious, je pense qu'il cache un truc. C'est le seul boutonneux donc. Ouais, ok. Oh, oh waouh, c'est beau, c'est stylé. Mais oui. Et c'est parti. Prochaine épreuve. Et t'arrives, ouais, voilà, dans la prochaine épreuve. Et du coup, un tombeau, mon tombeau. Bonne chance. Oh. Oh, j'ai pas d'armure, Johan. J'ai peur. Et du coup, c'est ton tombeau, oui. C'est ton tombeau. Eh, c'est ton tombeau. J'ai une formule magique. Alors, ok, c'est mon tombeau, mais il y a personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais déjà rentrer dans la maison. Ça semble être ce qu'il faut faire dès le départ. Mm-hmm. Trois portes. Laquelle choisir? J'ai l'impression que c'est une salle de porte infinie. Mais Oh, fils de pute! Mec, il va te fermer ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai eu la peur de ma vie là. What? Putain, ok, bon. On remarche plus jamais là-dessus. J'ai deux chances. Ça, c'était la seule, c'était la seule. Mec, j'ai peur là. T'inquiète. Mec, à chaque fois, je vais me tromper. Non, t'inquiète, en vrai, ça va. C'est ça. Maintenant que je m'y attends, je pense ça va aller. Ça va aller. Allez, ça va aller. J'ai l'impression que je fais des bons choix là. Je pense que c'est à droite. Menteur! Putain! J'ai chaud là. Ouais, moi aussi j'ai chaud. Poké Draco faisait plus peur quand même. Mais là, je reviens où j'étais en fait. Oui, ouais, c'est facile, c'est facile. Je tente. Okay. Ah non! Attends, si je fais ça, est-ce que ça m'épargne? Je sais pas. Je sais pas non plus. Punaise, mais c'est. Allez, j'y vais au culot. Allez, on s'en bat les couilles, j'y vais les yeux fermés. C'est... Mec, c'est horrible ce bruit! Tu l'as eu où, mec? Putain, je rappuie dessus! Mec, ah, mais... Et pourquoi tu remarches dessus? Bah, je revenais parce que c'était un cul-de-sac, mais bordel. Attends, si je fais ça. Ah, oh ah, c'est moi qui me l'ai pris, c'est moi qui me l'ai pris! Chef! Hop, on fait la même. Je suis sauvé! Mec, j'ai tout fait par contre, là. T'as raté le. Punaise! Mais ferme ta gueule!
putain. Mec, putain, je sais plus c'est quelle porte. Je viens d'où? Je viens d'Indou ou quoi? T'étais pas loin de la réussite. Alors là, t'es pas loin là. Mais mec, tu fais exprès. Mais tu repasses par le même endroit. Putain, je ne vois plus rien. Ah, c'est là. C'est là. Mais je me le prends en rafale, j'en peux plus. Mince, c'était où? Ah, c'est là. Tiens, vengeance. Non. Merci. Oh, j'en ai marre. Ok. Tu me sers à quoi? Ah, ça doit être pour le cimetière. Maintenant, okay. Faut que tu reviennes. Là, je fais un rush, un tout droit, mec. Tu me vois bien? Allez, on court. Rien à foutre de ta dépression. On court juste. Et hey, let's go! Voilà, nickel. Enfin, ok, j'ai le levier. Ouais. Ouh, c'était physique. Fais attention. Oh! What? Fais attention quand même. C'est quoi ce grand dadel? Mais ah, il est coincé dans l'étoile? Oh! Bah, à la bonne heure. Oh, mes flèches sont en dépression là. Allez. Oh, ça bug. Elle boude. Mec. Bon, il est bloqué, je vais en profiter. C'est quoi ce truc? C'est un loup? Non, je sais même pas ce que c'est. C'était plus facile que prévu. Ah, mais j'avais une épée en fait. T'as des petits trucs à chercher, enfin, surtout ouais, un truc à vois. Trouver. J'ai vu que j'étais enfermé, donc la pomme, est-ce qu'elle va m'aider? Non, c'est juste pour survivre, non? Oui. Un autre levier à trouver, je suppose, mais where? Y'a pas un truc chelou, genre un seul truc chelou dans cette... Attends, j'essaie d'observer. Ah, bah l'arbre. Bah non, oui, mais peut-être regarde les flammes, je sais pas. Une flamme rouge ici. Oui. Okay. Bon, elle est en stop motion. Ouais. Est-ce que je dois... rentrer. Oh, wow, oh, okay. Et là, attention, et là il y a des screamers de qualité, là. Ok, j'ai peur, je mange une pomme. Je sais même pas ce que je dois trouver. Ah bah si, le levier. Pour l'instant... Tu sais que j'ai eu peur premier degré, là. Ah, bon. Putain. Wow. Arrêtez, madame. Je crois que je suis sur la bonne voie, apparemment pas. Oui, en vrai, si. Ah, let's go. Si, t'es très chaud. Je me suis tapé que deux screamers. Ça y est, enfin sorti. On a le levier, on peut aller le poser sur la porte. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir, à ton avis? Enfin... bah, là sous le sand. Oui, voilà. Hop là, let's go. Ça nous en fait deux. Et maintenant, il nous manque l'os. Ah, mais du coup, je suis toujours pas débloqué là. Je peux rien mettre dans la main. Rien mettre. Ça y est, je suis sorti. Et maintenant, il faut que je trouve l'os. Du coup, est-ce que je reviens au cimetière? Après, tu peux suivre les chemins. Mais en vrai, pour trouver l'os, c'est un peu caché. J'ai pris à gauche, j'ai pris à droite. C'est forcément en face. Mais là. Y'a pas de chemin, mais y'a une grotte. Et en vrai, tu vas voir, l'épreuve elle est simple. Y'a pas un pupitre là pour m'expliquer? Non, trouve par toi-même. Ok, bon, je pense que c'est la fameuse strat de y'a un coffre derrière un truc bêché. Non. Ah bon, est-ce que j'ai le droit de casser les champs? Tu peux, mais ça sert à rien. Bon, dans les champs, y'a rien. Dans la tour, y'a un arien. Et c'est simple. Je regarde l'eau. Oh, oui, ça. What? C'est bizarre ça. What? What the fuck? Ah mais c'était trop bizarre ce qui s'est passé dans mon cervelet. Ok, bon, de retour au jump. Bon, là ça va, là c'est tout simple. Hop là, j'ai l'os déjà. Ok, et bah oui, voilà, c'était le plus simple. Okay. Allez, hop, on allume ça. Pour faire quoi? Ça devait pas me remettre normal. Ah si, c'est bon. Et maintenant voilà. T'as les trois objets donc. Faut que t'ailles les mettre dans la main. Allez, du coup on pose l'os en premier. Oh mais mec, c'est trop stylé. Et boum, le dernier. Oh waouh. Mais wesh. Le boss de fin. Oh non, et je suis voilà, bloqué. Il faut que tu Allez. Le battes. Bon, il a l'air un peu handicapé. Donc alors vraiment ça devrait. Alors c'est pas trop prévu. Vraiment il a l'air gaze donc finalement il y a rien qui va dans cette vidéo. J'ai peut-être mis 2 mois à la préparer. Mais par contre si tu meurs la vidéo elle se termine hein. Est-ce que t'as envie que je meure? Non. Non. Bon, il a qu'une seule attaque visiblement, c'est juste il me repousse. C'est impossible de taper à l'épée donc bon, je vais faire ce qui m'est demandé, c'est-à-dire tirer à l'arc. Non mec, arrête. Je peux pas regarder. Allez, tue-le. Non, c'est la triche, frère. Tue-le. Attends, je vais fermer un œil. Je regarde pas à droite. Je l'ai ou pas? Tu l'as tué. Let's go. Merci à moi. T'es trop fort. Il y a des fantômes qui t'attaquent par contre, donc fais attention. Bah, je les vois pas. Mais c'est normal, c'est des fantômes. Ok, petit dernier screamer. On a des belles dents.